moi je me sens à la fois catholique, protestant, évangélique. Pour moi, c'est la tradition de l'Église qui a pris différentes couleurs depuis 2000 ans. Et du coup, c'est tout est une richesse. Et c'est ça, c'est de ne pas se couper ou se priver d'une approche et de sa richesse, mais de pouvoir s'inspirer de chacune et voir dans ce que chacun, en quoi ça résonne en nous. Moi, j'ai senti enfin, la rupture entre la culture d'Église et puis ma propre culture, plutôt alternative, plutôt militante. Voilà, c'était un peu cette tension entre deux mondes, on va dire, bah, que j'ai eu envie de réunir. Goshen, c'est un collectif d'habitants, donc on est 5 foyers, donc 8 adultes et 9 enfants qui habitent sur le lieu. On n'a pas de dogme, entre guillemets, ou de confession de foi, mais chacun, on est dans son cheminement. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. J'ai besoin que tu prennes plus de place en moi, que vraiment tu grandisses en moi et que ce soit toi qui puisses t'exprimer. Père, moi je te remercie pour cette bonne semaine à la fac. Merci pour les cours super intéressants, en particulier en philo, c'était vraiment chouette. Et dans le même sens, je prie aussi que tu puisses accompagner Lorraine et les enfants pendant mes absences. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je pense qu'une valeur qu'on a en commun ici et qui définit notre rapport au travail, c'est la simplicité volontaire. C'est réduire ses besoins pour pouvoir travailler moins et pour pouvoir avoir plus de temps pour la famille, pour les amis, pour des engagements bénévoles. Certains d'entre nous ici travaillent à l'extérieur avec un temps limité, juste ce qu'il faut pour pourvoir aux besoins qu'on a essayé de réduire. La priorité dans nos vies, c'est le temps pour l'engagement, pour le projet associatif ici, le temps pour l'accueil des gens de passage et pouvoir passer du temps avec eux dans la discussion. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. En tant qu'étudiant en théologie, je suis étudiant agréé de la Fédération Baptiste. Et si tout se passe bien pour la suite, je travaillerai après en tant que pasteur au sein de la Fédération Baptiste. J'ai l'impression que l'homme est spirituel et que même dans la culture matérialiste athée, les hommes avaient transféré leurs besoins de religieux sur autre chose. Les gens exprimaient leurs besoins de religieux et de transcendance dans des relations malsaines avec l'argent, la technique, etc. Mais ça répondait pas aux besoins et donc les gens sont en train de se réouvrir à une spiritualité plus transcendante et pas un matérialisme religieux, quoi. La simplicité volontaire, ça consiste par exemple à parler des vêtements. Je pense que ben, nous, on va tout acheter à Emmaüs. Ou on se fait passer les habits, le chauffage, on fait chauffage à bois. On essaye de faire beaucoup de choses nous-mêmes, genre produits ménagers, je les fais beaucoup moi. Cosmétiques, c'est pareil, j'utilise pas de produits cosmétiques sauf des choses que je fais moi. Tous les meubles, c'est tout récupéré à Emmaüs. Tout l'électroménager, pareil, c'est de la seconde main ou récupéré. Tout ce qu'on utilise, même la vaisselle, enfin,
je crois que tout ce qu'on a à la maison, il n'y a rien de neuf quasiment. Après, on répare nos véhicules, par exemple, on a du temps et pas d'argent, du coup, voilà, on apprend la mécanique sur Internet. Voilà, on essaye de réparer au maximum et puis de prendre ce qu'on a et puis de se passer de ce qu'on n'a pas, tout simplement, sans être frustré et en le vivant au mieux. Voilà. C'est ça. L'idée, c'est de vraiment nous-mêmes être dans une vie plus simple et moins consommatrice d'énergie, moins consommatrice de notre terre, pour pouvoir aussi permettre à toutes les personnes de toute la planète de aussi vivre d'une façon un peu plus... Ouais, un peu plus sympa. De prendre soin de chacun et puis d'être vraiment en cohérence avec la création, quoi. Si on se met en rupture avec la création, ça veut dire qu'on est décalé quelque part, en fait, qu'on n'est plus dans la volonté divine. J'ai toujours du mal, je pense, avec l'église, en fait. Et j'ai du mal avec les prêches, j'ai du mal avec la vérité c'est, ou en fait, dès qu'une personne... Je suis retournée à l'église, en fait, pour voir, en fait, et cette impression qu'on me dit comment je dois être, en fait. Et ça, je pense que pour moi, c'est trop difficile. Et c'est pour ça que j'accroche vraiment avec la foi ici, c'est-à-dire de la spiritualité, je veux dire, dans le sens de... on partage, en fait. On partage, voilà, moi, cette semaine, ça m'a parlé, etc. Ou en ce moment, je vis ça et c'est difficile. Et par rapport à Dieu, je peux remettre ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est pour moi simple, spontané et de face à face. Et on ne me raconte pas comment je dois être, en fait. En fait, ce qui m'a vraiment parlé, c'était l'accueil, quand même. Ça me parlait beaucoup d'être toujours dans la rencontre. Pour moi, c'est un dépassement, c'est-à-dire je reste pas avec les gens que je connais, et puis bien, voilà. Mais de me dire, allez, c'est pas toujours évident, mais pourquoi l'autre serait moins important que mon mari ou mes enfants, voilà. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les lieux étaient pas très accueillants. Enfin, c'était vraiment... Ici, c'était vraiment glauque, en fait, à l'époque. et les chambres, pareil. Et du coup, en fait, petit à petit, je me suis dit, mais... ce que je trouve important pour moi, c'est que les gens se sentent bien quand ils viennent. Et du coup, mon travail, c'est assez fait comme ça, en fait. J'ai refait les lieux. J'ai découvert Gouchen par Internet, sur Facebook. Parce qu'il y avait des discussions voilà, que je trouvais passionnantes, voilà, de personnes qui discutaient sur des questions de foi, enfin qui se questionnaient en tout cas, tu vois, il y avait la notion de doute, voilà, et c'était parfait parce que ça faisait partie de mes prières, quoi, de rencontrer des personnes avec qui je puisse aussi partager des doutes, des questions, etc. Je suis tombée sur un verset dans la Bible où c'est « Ton créateur, c'est lui ton époux, le Dieu de l'univers. » Et donc, ouais, c'est ça que j'ai pris comme réponse pour moi, quoi. J'ai eu la conviction de rester célibataire. En fait, la relation, moi, je le nomme Dieu ou la vie, Jésus, qui me comble, m'épanouit pleinement, quoi. Il n'y a pas de... plus grand amour, en fait. Sœur Emmanuelle qui parlait justement dans son livre du plus grand amour, et ça me parle bien. Enfin, c'est d'être disponible aussi voilà, à aimer tout le monde fortement. La marche, c'est mon meilleur moyen de prier, prendre du recul, de me ressourcer tout simplement, en fait. S'il y a des réunions un peu tendues ou des choses comme ça,
ou avant même une réunion que je sais qui va être tendue, je me fais un tour de marche toujours avant. Dès qu'il y a des humains, ça crée des conflits, mais du coup, ça crée aussi une vraie richesse et un vrai travail sur soi en lui-même aussi, de vivre en collectif, à s'affirmer, à respecter l'autre, enfin, à trouver sa place. Voilà, ça, c'est vraiment challengeant de vivre avec d'autres au quotidien. Qui c'est qui a des sujets pour ce soir? Demain, moi, j'ai deux amis, Nelly et Damien, qui arrivent en fin d'après-midi. Et ils seront là jusqu'à mardi. Ensuite, il y a des scouts protestants, donc rencontre inter-scout. Du coup, ça vous va de les accueillir À travers aussi les moments moins évidents, je pense qu'on construit une belle amitié, une belle profondeur et une belle relation entre tous les habitants. Donc avec des moments plus faciles, des moments festifs, des moments moins évidents, des moments de conflit. Mais il y a vraiment de la bienveillance en fait entre chacun des habitants. Et du coup, moi c'est ça qui me porte et qui me permet de continuer de vivre en collectivité pour au final trouver ça bien. On s'approprie les temps forts de l'année liturgique pour les fêter et puis les vivre ensemble. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir réfléchir sur le sens de Pâques et prendre un temps en fait pour pas dire « bon, Pâques, c'est une fête comme les autres, tac, on mange bien ensemble, on rigole, on fait la fête », mais aussi de prendre un temps, tout un temps d'intériorité, de réflexion et de spiritualité. Voilà, on est très axé sur l'accueil, à prendre soin d'écouter les personnes, de vraiment les rencontrer, les encourager dans leur cheminement. Attends, t'as ton casque en plus. La religion a un sens si elle est accueillante, si elle est ouverte, voilà, et pas que ce soit un repli identitaire et pour mettre des murs, mais au contraire, pour élargir et pour faire des passerelles entre toutes les communautés humaines. Bienvenue à tous pour cette Pâques 2016, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes tous installés. On n'attend plus qu'un couple qui arrive de Paris, qui va arriver à 21h. Je l'appelle amour, la joie, ce qu'il y a de plus beau, enfin on va Jaïs, prends ton destin entre tes mains, tu n'es pas seul. Ce que je vous propose avec Marie ce soir, c'est de faire un chemin de croix, décrit par Christian Delorme. Jésus est condamné à mort. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats, qui avaient tressé une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut le roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. C'était un vendredi, la veille de la Pâque. C'est pas toujours simple de comprendre la réalité de la résurrection. Ça permet de repenser tout le chemin que le Christ a pu faire, ses souffrances, ses doutes, et puis jusqu'au moment glorieux de la résurrection. Le fait de pouvoir l'exprimer tant... Par le dessin, l'écriture, ça permet de marquer à chaque étape des moments forts, de réfléchir comment ça me touche, de faire avancer à titre personnel mon cœur sur ma relation que j'ai avec le Christ. On vient pas ici pour être simplement spectateur de quelque chose qui va durer un petit temps, on vient ici pour être acteur et se laisser transformer. Et avec cette communauté où on est obligé de faire tomber les masques, parce qu'il y a tellement de temps où il y a des espaces de dialogue, des espaces de rencontre, des espaces où on est obligé de livrer ce qu'on a sur le cœur, parce qu'il y a d'ateliers qui font, hier que ce soit par l'écrit, par l'échange, par le dialogue, par le dessin, on est obligé de livrer quelque chose de nous-mêmes à chaque fois. C'est tellement différent de ce que j'oserais faire dans mon quotidien que ça me pousse complètement dans mes retranchements. Nous, on a plutôt une vie classique. Enfin, moi, pour en ce moment, je suis en congé parental. On vit à Paris, dans un appartement.
ça a un sens fort de venir pour Pâques parce qu'il y a un tel changement en venant ici. Et Pâques, c'est un tel changement que ça incarne d'emblée, en fait, le changement qui est Pâques, quoi. Et puis, on se nettoie quand même de plein de choses ici, hein. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit : Restez-en là. Et, lui touchant l'oreille, il le guérit. Dieu est doux. Jésus est doux. Il ne veut pas la violence. Il accepte avec douceur de se laisser livrer. Donc la proposition, c'est de demander au Seigneur de montrer quelle relation il veut restaurer dans ta vie et de prier pour cette personne avec qui tu as coupé la relation. De méditer sur des textes, de penser notre relation au divin, de penser notre relation au monde. C'est un repli sur soi qui est hyper bon, quoi. Après, ça a un sens, ça prend sens que si on peut se tourner vers les autres, quoi. Au sens strict, je suis non pratiquante en fait, parce que je vais dans aucune église ou alors rarement, je vais de temps en temps à Pâques faire des chemins de croix dans l'église du coin ou comme ça m'arrive. J'ai fréquenté l'aumônerie de l'université, de là où j'habite. Après, je peux être, on va dire, en connexion spirituelle, sans que ce soit trop mystique, mais un peu partout où je vais. Ouais. Ça sert peut-être trop, hein, Oh non, c'était bien en fait. On est le samedi de Pâques, donc on est dans l'attente. On se remémore du coup la mort du Christ avant la résurrection. On pense à Jésus qui est dans le séjour des morts. Ça ressemble un peu de ce passage dans l'obscurité. Jésus souffle sur la croix. Il crie à l'aide. Il appelle son Père. Il cesse de se battre. Il rend l'esprit. Voyant qu'il avait expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria : Vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est à Goshen, habite Goshen, et j'ai mes deux petites filles qui sont là aussi. Moi, j'appréhendais un petit peu, puis pour les petites aussi, je me dis, mais quelle vie elles auront plus tard, est-ce qu'elles vont faire des études, est-ce qu'elles vont, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de salaire, il n'y a rien. Puis quand je les vois, je me dis, bon, ils sont heureux, en fait. Ben, je sais pas, moi, je vois avec mes parents, il fallait, ben, à 18 ans, il fallait aller travailler, rapporter à apporter un salaire que maintenant. La vie, elle est complètement différente d'avant. Hein. Ça,
méditer. Belle Pâques à vous tous. Je trouve ça super dur de méditer en fait avec tous ces éléments complètement différents que ton corps doit prendre en compte. Par contre, ce qui était pratique, c'est que le corps subissait et toi-même tu faisais rien, tu faisais juste le vide uniquement pour te plonger dans ton ressenti. Quand ta vie elle va bien, puis que tu crois en Dieu, puis qu'il t'arrive pas de merde, ben tu te dis ok, voilà, je crois en Dieu, machin chose. Quand il t'arrive des difficultés, tu fais ok, est-ce que j'ai bien fait de croire en Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi aujourd'hui? Comment je vais vivre ma foi? Voilà. Et puis quand t'es homo, tu te dis, ok, la Bible, elle dit ça, les gens, ils disent ça, certains passages disent ça. Ok, comment moi, je vais me présenter devant? Est-ce que je dis que je suis pas chrétienne? Ou est-ce que je renie une partie de moi? Quand je suis ici, je me sens vraiment chez moi parce que c'est une façon de vivre sa foi qui me touche vraiment, avec laquelle je suis en accord complètement, quoi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je veux remercier Dieu d'être venu me chercher là où j'étais, d'avoir permis cette rencontre avec lui qui a bouleversé ma vie. Et je vous remercie tous de m'accepter telle que je suis. Et merci pour toutes ces rencontres, pour tout ce que chacun fait. Moi, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'apprend à dépendre de lui, d'avoir foi vraiment en lui pour votre avenir à vous, pour l'avenir de mes enfants. Voilà, je m'inquiète pour eux, mais en même temps, à travers votre vie, j'apprends à vraiment vous remettre à Dieu. Toute confiance, et ça je veux vraiment lui dire merci, et je veux vous dire merci à vous pour tous vos témoignages qui m'encouragent. C'est pas sans raison que vous existez, que vous êtes ici. Voilà, vous donnez des valeurs, vous transmettez quelque chose d'important. Moi je voudrais demander pardon pour toutes les fois où j'ai pris des décisions par moi-même, sans même penser à te consulter, Seigneur. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Et plus te demander de m'accompagner pour toute chose dans la vie. Juste par ta présence et au moins penser à toi à tout moment, quoi. C'est lui qui m'a créée, je suis une créature au même titre que les fleurs, les arbres, les étoiles. Il prend soin de tout ça. Quand je me suis rendu compte que tout ça c'était trop beau, et je me suis dit, mais vas-y quoi. Moi, ma vie, je la réussis pas, elle me plaît pas. Et ben, on y va quoi. Montre-moi ce que tu veux, montre-moi ce que tu veux pour moi. C'est toi qui m'as créé, qui m'as mis là, montre, vas-y quoi, je veux voir. Et voilà, suite à ça, je suis partie avec mon sac et mon chien. et voilà. Et j'ai appris à faire confiance à Dieu là-dedans. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu sommeil, j'ai eu mal partout, mais j'ai aussi été heureuse. Et en ça, je sais qu'il est présent et je sais qu'il est là tout le temps. Et qu'il sait aussi ce que j'aime et ce que j'ai besoin. Pas un aboutissement, c'est pas le projet parfait, c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment une façon de vivre où on expérimente, où on essaye de mettre en place des choses plus cohérentes avec ce qu'on pense et ce qu'on voit et ce qu'on croit. Pour moi, c'est plus une étape dans notre chemin. Si on est là en ce moment, c'est que ça correspond à ce qu'on a envie ou ce qu'on doit vivre peut-être aussi en ce moment. Enfin, je me dis pas qu'on vivra tout le temps comme ça. Enfin, peut-être qu'à un moment donné, les besoins vont être différents. Puis bon, pour moi, la foi, elle joue aussi là-dedans. Je me dis, tant qu'on sent notre place, eh ben, on reste là. Si à un moment donné, on sent que c'est plus notre place, eh ben, on ira ailleurs. Ça sera autre chose. J'ai l'impression que la vie, c'est toujours un peu ça.